Ah, let's go. Ah, let's go. Oh, ce qui est trop bien, c'est que j'y pense jamais, mais quand on est en direct, on balance ça sur l'app. Tu peux? Bah oui, regarde, je vais le faire. Faut que je le fasse manuellement, mais... ouais. Je regarde si le lien est bon. C'est en 1080 mais pas 60 Je fps. Si... teste. Tant pis. Wesh. Ou deux. Ok. Bon, let's go, hein. Ok. Non, Quoi? mais je me suis planté, quoi. Ok. Quoi? Non, mais je me suis planté, quoi. Ok. Quoi? J'entends un écho, quoi. Nice. Et je vais avoir encore moins de thunes. Pourquoi? Parce que j'achète une société de location. Wow, Mathéo, let's go. Et on balance sur... Oh la vache. Lamborghini Veneno. On fait un petit logo. T'es prêt à recevoir la notif? Bah ouais. Let's go, hein! L'état du flux, qu'est-ce qu'il me dit? Il est orange, qu'est-ce qu'il me dit? Je sais plus comment on voit tout ça. Sortie faible. Ah, il me demande un débit de 4500 bitrates. Bon, bah, let's go, on change ça. Est-ce que je peux sortir 4500 bitrates? Hop, let's go. Oh là là, la Lamborghini Veneno, mec! Aïe, aïe. C'est une fusée, quoi. Il me demande 4500 bitrates. Aïe aïe aïe, ça pique, hein. Bon, heureusement que j'étais préparé ou pas. Bon, tu recevras un notif, tu me diras si ça marche. Ouais. Du coup, on va...
Tu m'invites? Yes. Hop, j'ai envoyé la notif. Yes, on y va, let's go. Je pense qu'il faudra qu'on fasse un Allez, Twitch. niveau Moi, 30. je pense qu'on devrait Non, faire 29. un Twitch et les rediffusions de live, on les met sur notre chaîne. Ouais, une note, ouais. Ouais, allez, faut qu'on y réfléchisse, mec, parce que du coup, on va pouvoir stream. Que vais-je gagner dans la Wii Spin? Ça va être un vêtement, je le sens. Ah non, 2000. Waouh, incroyable. 2000 crédits. Incroyable. Ah mais du coup on a des nouvelles... Ah ouais! Attends. Oui, il y a des nouvelles missions et tout. Comment ça? Ah, bon, je récupère le lien là. T'as perçu la notif? Bug. Non. Ah, mais tant que ça envoie au serveur et tout, faudra un peu. Du coup. Ouais, du coup, grâce à la société de local de location. Ouais. On a des nouvelles missions. D'accord. Alors attends, du coup. Ça, on s'en fout. Ah ouais. Vas-y, moi je vais faire la mission avec la One. Je te dis quand tu peux m'inviter. Et let's go, on est parti. J'ai déjà atteint l'objectif en fait. Ah bah mec, regarde, on a reçu un type. Wow. Ouais, je viens de le recevoir. Ouais. Attends, je suis pas encore sur la plus grosse ligne Oh droite non, ça et marche j'ai déjà pas. tapé les Non, 300 km/h. ça marche pas, putain. 375 km heure. Oh my god. Je comprends pas. Quand on envoie un lien, ça marche pas. Faut que je vérifie. Je vais m'acheter une Koenigsegg aussi. Ah oui. Il me faut Bugatti Chiron, Koenigsegg et McLaren. Pierre. Bon, bah j'arrive, hein. Let's go. Bah oui. Bon, bah au pire invite-moi. Non, parce que je pourrais, tu pourras pas me rejoindre. Pourquoi? Parce que moi je suis en automne. Ah. Ah, je suis en hiver, moi. Bah oui, c'est pour ça que je dis ça. Bon, je vais faire quelques games alors, t'inquiète. Mais non, mais tu m'invites? Bah là je vais pouvoir dans très peu de temps. Parce que là je viens de finir ma mission.
l'hiver il est tellement beau. Allez, bientôt là où il spin. Ah, dis-moi quand je peux t'inviter. Ouais, bah attends. Vas-y, tu peux. Est-ce que je sais pas si. Je sais pas si je peux t'inviter du coup directement. Invite. Tu verras bien. Ok, let's go, liste de joueurs. Inviter des amis. Confirmé. Je me connecte à la session. Je vois ça. J'arrive. Ah oui, effectivement, ça charge la saison d'hiver. Donc voilà, c'est bien ce que je dis. Faut tout débloquer, je crois. Et ouais. De toute façon, tu seras toujours en avance par rapport à certaines personnes. Non. Non, parce qu'après, les saisons, c'est les mêmes pour tout le monde. Ah ouais, faut vraiment débloquer une, quoi. Du ouais, coup, toi, t'es où? Bah là tu finis une année donc tu vas jusqu'en été et ça va être bon. Et t'es où toi? Là je suis tout en haut de la map. Ok, on se rejoint. Je suis à Edinburgh. Bah t'es où toi? Putain, bah. Bah vas-y attends. Ah oui, t'es là, ok. Bah moi je me TP au Festival Horizon. Let's go, c'est parti. À 400 mètres. Go Festival Horizon. Ah, tu vas au festival du coup? Bah oui. Je me TP. Ok. Tu vas au Festival Horizon. Je vais en profiter pour changer de bagnole. De quoi? Bah le truc, il y a un H en noir et blanc. Prends ma voiture, c'est bon. Elle est classée X999. De quoi? En voiture, elle est classée X999. Bah, moi j'en ai deux. c'est super bien, non? Bah, oui. Okay. J'en ai deux comme ça. Moi, jamais expliqué. Moi, je l'ai pas payé. J'ai payé juste 64 000 $ pour. Ouais, mais bleu, je kiffe de ouf, mec. Forza, je cherche pas. Salut, fans d'Horizon! Bon, vous savez qu'Amy Simpson déteste l'hiver, mais vous savez ce qui me plaît malgré tout, les couchers de soleil. Je vais prendre ma tout d'abord parce que chaque soir nous rapproche un peu plus de l'été, ouais, et ensuite que... parce que c'est beau. Il faut savoir apprécier les plaisirs simples de la vie. Comme j'avais ma Dunk Award et je peux te dire que elle te laisse sur place aussi. À 400 mètres, prenez le virage serré à droite. Est-ce que objectivement je vais enlever la crasse? Niveau calcul de l'itinéraire. Faites demi-tour dès que possible. On va le rabaisser au possible. Est-ce que je mets un Arencio Argus? 200 mètres, tournez à gauche. Par contre, la manette, tu vois, elle est longue à tourner. Je sais pas si je peux modifier ça. Attends, est-ce qu'elle existe en trône? Est-ce qu'il y en a une? Chez gameplay, vidéo, paramètres de commande, voilà. Clavier, manette, embobiner. Genre, je peux pas modifier. Trône. ATH. Ah, y'a des dieux qui l'ont refaite. T'es quoi? T'es en habile toi ou en moyen? De quoi? Dans les difficultés. Je sais plus.
Je sais pas, j'y ai pas touché, je crois. Ah, du coup, je joue vraiment en réel, quoi. Presque. Parce que je suis à. Tournez à gauche. Vous avez atteint votre destination. Moi, oh, par contre, t'es où là? Attends, je prends mon Aventador. Excuse-nous. Mais t'es une Paganizonda, s'il te plaît. Fils de pute. Bah je l'ai gagné, t'es sérieux ou quoi? Moi j'ai jamais demandé à l'avoir hein. Moi je l'avais bien. La plus chère que j'ai gagné c'est une bagnole qui vaut 550 000. J'étais, hey, pour te dire que hier j'avais super tirage, on est deux mec. Attends je vais les faire. Salut William. Si tu as c'est bon, aimé je suis sorti normalement. Attends de voir le super tirage. Le principe est le même, mais tu remportes un mec, t'es pas là. Au lieu d'un, avec attends, une chance plus tirage, de mec. Remporter ah, quelque là. Chose de spécial. Ne me remercie pas, ça me ah, fait t'as plaisir. Un super tirage là. Deux. Mec, t'es un gros juif. J'ai gagné de la merde. Ah oh, j'ai une Mercedes mec. Une quoi? Je sais plus. Ah attends je vais te dire ça. J'ai une C63S coupé Mercedes AMG. Ok. J'ai une Porsche 959. Mais non. Si. Tu l'as gagné aussi vers tirage aussi? Oui. Mec, mais putain, mais hey, t'as j'ai, ah, en gros, j'ai gagné la Honda Pagini. J'ai gagné la. Bon, ça c'est pourri, c'est un petit fourgon, mais c'est un Vandura G1500. J'ai gagné une HK Manaro GTS 350. Une Veloster Hyundai N. Une C63S coupé Mercedes. Une Minor 1000. Une 959. Et grâce à un défi, j'ai gagné une Impreza VR X STI. Au calme. Mais je dois la payer pour la voir? Ah non, c'est le prix. Bah revend. Non. Comment je vois J'ai gagné des voitures de drift aussi. Faites demi-tour. Oh, elle est classe la voiture, t'es sérieux? Je l'ai acheté, ouais. Ah ouais. On va où du coup? Mec, faut qu'on se défie, attends. Pourquoi t'acceptes pas? Ah, vas-y, oh, recommence. Putain. Redemande. Ok. Oh! À 400 mètres, tournez à gauche. Ah oui, l'hiver c'est vrai que c'est pourri. What the fuck, c'est quoi cette route pourrable? Je l'ai fait exprès mec. Oh non merde. Ah tu triches. On a le droit mec, y a pas de point de passage. Oh le bâtard. Ah oui, y a pas de point de passage. C'est quoi ce mec? Non mec, fais un truc propre quoi. Bah, c'est le principe de Forza Horizon mec. Ok, on recommence. Attends, là j'étais pas prêt du tout. Je pensais pas qu'ils étaient aussi mauvais joueurs. Que j'ai vu graviter autour. Ah j'ai gagné une faute, c'est grave. A vrai dire, celui-ci la combat, la gravité. Puisqu'il s'agit d'un... Putain, t'es un mauvais joueur. Tu peux pas faire une vraie course mec. Qu'il nous appelle. En attendant, je suis au clavier hein. Peut-être faire un petit tour ou deux. Ah vas-y, tout est permis, vas-y, allez. Ok. T'es une 4 roues motrices toi, non? Oui. Ouais mec, tu vas me bouffer. Allez, let's go hein. Faites demi-tour dès que possible. Attends, fais pas le juif. Ah le bâtard. À 400 mètres, tour...
tournez à droite. Non, non, prends les routes par contre. La motrice, mais elle est hyper lourde. Ah, par contre, fais pas le bâtard, prends vraiment les routes. Elle est hyper lourde. Mal, tiens bien la route. Ça. À 400 mètres, tournez à droite. Ta maman. Wesh! Et il joue pas le jeu, Mathéo. Tournez à droite. Si. Ouais, c'est après si tu casses des poteaux, ça fait un peu. Ah non, je casse la voiture là, c'est encore autre chose. Je sais que les Lamborghini sont super mal à jouer. Hein. Si elles sont pas mal, mais là, sur la neige, non quoi. Grave. Ah, elles sont pour avant. Je sais pas trop. Ah, je déteste. Attends. Je vais prendre autre chose comme bagnole parce que sur la neige, non quoi. Puis j'ai des pneus courses donc ça grippe pas du tout. Là faut un. Ah ouais, non mec, elle est horrible. Hein. Attends, je vais prendre un 4x4 boosté. Mec, ça va être largement mieux. Ça va tenir plus la route que cette connerie. Je vais prendre ma Subaru. Vas-y, je vais prendre une catégorie pareille. Comme la Subaru. Faut que j'aille au festival pour la modifier. Tu la modifies pas, mais prends-la telle qu'elle, on s'en tape. Ça y est, ta Ford Escort est prête. Alors amène-toi. Ah, j'ai une Ford Escort RS aussi, turbo. Vas-y, go. T'es où, mec? Charville. Quoi? Charville. Mais t'es parti faire quoi? Ah mais t'es là toi. Ah j'ai redébloqué des courses de rue, ça c'est cool. Il faut qu'on fasse des courses ensemble wesh. Des où? Oh. Tu t'es très bon. Oh. T'es où? Bah, t'es où? Vous avez atteint votre destination. Oh, elle est dedans. Ah oui, t'es derrière moi, ok. Ah, pas trop belle. Vas-y, go. On va faire que ça, quoi. Triche pas. À part si t'es dans le décor. Eh, elle trop mal. Moi, elle est parfaite. Ah ouais, mais mec. Moi, elle tient trop bien la route. Ah mais moi, pas du tout, moi. Moi je pense qu'elle est surboostée en fait. Bah moi elle est boostée à fond moi la mienne. Mais je pense que mec, les trucs d'origine ça va pas tu vois. Moi je sais que la Pagani elle était pourrie tu vois. Ah d'origine moi elle tient pas la route hein. Ah ouais. Ah donc peut-être que les modifs font qu'elle tienne la route hein. Faut que j'aille la modifier mec. Attends faut qu'on aille la modifier celle-là. C'est juste que j'ai changé les roues quoi. Les pneus, c'est tout. Chez moi, je vais à ma maison. Go. Regarde, moi elle est. Attends, je. Ah merde, ça c'est l'eau. Attends, faut que j'aille tisser un truc. C'est là que je. Mais, what? Ça se casse pas ça. Je me suis retourné, MDR. Faites demi-tour dès que possible. Mec, t'es où? Et pourquoi? J'ai oublié de te suivre, je crois. Ah. Non, mais attends, j'arrive. Ah, tu peux avancer, t'inquiète.
sais où est la maison de base? Oui, j'en ai une deuxième, mais ouais, je sais où elle est. Mais mec, elle est boussée ta voiture ou quoi? Regarde, je t'arrête. Bah oui. Mais moi c'est un 4x4, hein. Le truc il fait 3 tonnes. Hein. C'est ça que je kiffe avec Forza, c'est que tu vois où tu veux. Need for Speed c'est des... Ma bagnole fait 3 tonnes, hein. N'oublie pas. Oups, ça c'est pas un mur. Ça s'appelle un arbre. Avec celui-là, j'ai tapé un 300 km/h de vitesse max. Alors qu'en réalité, tape du 200 non boosté. Parce que c'est un 4x4, c'est un gros 4x4 énorme. Le moulin. Tu l'as fait aussi ? À 400 mètres, je vais le faire, ouais. Je vais pas faire un gros saut vu comment c'est lourd. Vous avez atteint votre destination. Ah, j'ai pas le temps de niaiser. Non mais je suis là. Tranquille. Je l'ai pas mal boosté beaucoup. Quand même. Encore, je pouvais changer le moteur, mais je l'ai pas fait. Qu'est-ce que je voulais faire? Le mode photo. Pour réparer le véhicule. Toc, toc. Bon, amuse-toi, mais fais attention, d'accord? Son dernier propriétaire a dû être trop optimiste dans un virage, il avait arraché la moitié du train arrière. Je l'ai gentiment remis en place. Ah ouais, je m'en fous, en fait. Attends. Alors. Ah, t'es toujours pas là? T'as combien de thunes? 415 000. Ok. Est-ce que je reprends la monster encore? Ah, vas-y, moi je vais me changer de caisse. Mais cette fois, je vais prendre une caisse qui fait peur. Qui fait vraiment peur. En plus, la neige. C'est quoi? Je vais prendre une Porsche. 911-993 GT2. Il n'y en a que 53 dans le monde.
J'ai prise dans une livrée une couleur que j'ai déjà vue en vrai. Et elle fait très peur, vraiment. Oh, elle est belle. Bah c'est du Doromotrice sur la roue arrière. Salut William. À ta soupe. Ce premier rassemblement d'hiver va être incroyable. Il me faut un pilote fiable, expérimenté et pas frileux. Qu'est-ce que tu en dis? Tout ce que tu as à faire, c'est arriver à Édimbourg avant un train. Mec, j'ai une mission. Faites demi-tour dès que possible. Elle est belle la mienne, ou pas? Salut à tous. Ouais, vous êtes la mienne n'avait pas boosté un peu. J'ai envie de partir en week-end, qu'est-ce que vous en dites? J'irai bien voir Édimbourg sous la neige. Ah oui, non, c'est vraiment pas fait pour la neige, ça. Attends. Comment je fais calculer un tir? Ah, voilà. Donc on y a là. Je l'ai vu, mec. Pourquoi t'as viré le point? Ah non, c'est bon. Parce que j'arrive pas. J'ai deux points du coup. Faites demi-tour dès que possible. On y va là, du coup? Bah ouais, moi je suis parti. 200 mètres, tournez à gauche. Nouveau calcul de l'itinéraire. Oh, toi, tu coupes, toi. Et donc? Avance, wesh, mais tu fais quoi là? Ah, moi je coupe pas. Hein. Mec, t'as une Subaru, t'as coupé là? Mais j'ai pas une Subaru moi. Ah ouais, t'as une Porsche. J'ai une Porsche d'euromotrice sur la roue arrière. Je vais éviter de couper, tu vois. À 400 mètres, tournez à droite. Non, j'ai la même vitesse que toi, mais juste derrière toi, quoi. Donc, Oh, mec, attends, viens là. On va faire ça. Monte. Reste là. Attends, c'est votre Amy préférée qui vous parle. Ok. Je viens d'avoir un radar à faire. Ah, oui, bah, moi je suis 4-12 étoiles. Je suis super content de la première manche. Ouais, et j'ai hâte de voir ce qui se passera dans la seconde. Attends, je sais pas combien c'est les 3 étoiles. À Arthur's site. Tu peux me le dire. Mais j'ai lu entre les lignes. À ton service, Alex. Ça doit être plus de 300, un truc comme ça. 264, je crois. Attends, je regarde. De 190 300 euros. Ne passe pas pour l'instant. J'arrive. Vas-y, vas-y, y a le ton. À 400 mètres, tournez à gauche. Oh, t'es pas à 290 là. Tournez à gauche. T'inquiète. T'as combien? Faites demi-tour dès que possible. 250. Ça va. Je crois qu'il faut prendre la route parce que la terre c'est chaud. Ouais, je vais pas taper des grosses vitesses, moi. C'est pas possible. Tu penses qu'il vaut mieux désaccélérer ou freiner dans le virage? Bah arrêtez d'accélérer. 400 mètres, tournez à droite. Mais c'est un risque de se foutre dans le décor. Tournez à droite. Faites demi-tour dès que... Ah, 285. Non, je me suis craqué. Nique sa maman. 4 km/h, je l'ai loupé.
Attends, je vais le refaire. À 400 mètres, tournez à gauche. Tournez à gauche. Attends, je remonte. Faites demi-tour dès que possible. Je peux y aller. Avec la Ventador, ça se fait très très simplement. Merde. Je vais exploser rien que pour toi, hein. Je vais pas te toucher cette dame. Vas-y, mais je vais le faire à la Ventador là, ça va être mieux. Je prends la Ventador tout de suite. J'aurais dû prendre la Pangani moi. Oh non, encore mieux. Encore mieux. Je vais prendre ma Dunkerboard. À 400 mètres, tournez à droite. Mais avec la vitesse, l'accélération qu'elle a, mais. Pousse pas. Eh ben, je suis pas au milieu de la route. Tournez à droite. Non, mais... Faites demi-tour dès que possible. Dunkerboard. À 400 mètres, tournez à gauche. Ok. Normalement, ça devrait aller. J'aimerais voir si j'arrive à tuer avec la Suba. Tournez à gauche. Oui, parce que je suis pas avec une voiture en 4 roues motrices. Hein. Non, faut prendre de plus haut. Faut prendre de plus haut. Non, mais j'ai une Dunkerboard, mec. Mec, je suis à 305, 310, 315. Voilà, 3 étoiles terminées. Ah, comment t'as fait? Attends. Comment j'ai fait? J'ai une bonne rapide en X. En X999, tout simplement. Allez, go, on va prendre ça. Hein. On va faire ça. Directement. Du coup, attends. Ok. Je pense que je vais le passer easy là avec la Pangani. T'es où là? Je descends. T'as pas besoin d'être si haut. Mais j'étais plus haut. Non. À 400 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. Ah, vous t'as eu peur. Faites demi-tour. T'as combien? Dès que possible. Moi 315, 320, un truc comme ça. J'ai encore eu un coup de fil anonyme pour une voiture abandonnée. Apparemment c'est la mode. Si ça t'intéresse, je te suis. Et je suis à partir tout en haut. Faut qu'on y aille là. Faites demi-tour. Il y a une voiture à chercher. Quoi? Il y a une voiture. Oui, t'as des missions que tu peux. Ah, je sais, ouais. Oui, je sais. Mais je sais déjà les voitures alors que. Enfin, j'ai déjà deux ou trois voitures à trouver. Et t'en restes plus que deux? Non. Mais j'en ai trouvé zéro. Hein. Ah ouais, j'ai déjà trouvé deux, moi. Lesquelles? La Subaru. C'est que je t'ai déjà juste mètres, avant. C'est grâce à elle. D'accord, bah je l'ai pas, moi. Et là? Et l'autre? Et là, je sais pas, en fait, t'y vas et c'est là, c'est surpris. Tournez à droite. À 400 mètres, tournez à droite. Oui, je pourrais faire ça, mais je le ferai pas. C'est dans les cheveux. Mec, sur la neige, je suis limité à 100 km/h, quoi. Moi, ça va, 281, je crois, je peux monter sur une belle place. À part quoi, si je freine brusquement une glisse, quoi. 220, 230, 240. 250, 260. Ah! Normalement, cette bagnole là va pas à plus de 270 km/h. La bagnole que j'ai là. Vu comme elle est petite. Tournez à droite. Pauvre petite Dunkerboard. Du coup là. Faites demi-tour dès que possible. Comment tu sais que c'est ici, là, cet endroit-là précis? C'est
parce qu'il te donne un putain de grand set et tu dois chercher. Ah ouais, c'est chiant. Oui, exact, oui. J'ai les cercles, mais c'est tout quoi. T'as le cercle violet aussi ? Oui, bah j'en ai plein, ouais. J'ai eu la flemme de chercher en fait. Ah, elle est là, regarde. Elle est là. Oh, attends. Non, c'est pas là. T'inquiète, il te la... côté à côté, il te la détecte tout seul. Là, ah, c'est je l'ai. Elle est où du coup ? Y'a Forza ton live. Ah, c'est la TVR serveur à Speed 12. Vas-y, moi je vais au. Je vais aller au Forza ton live après. Du coup, t'es où là, toi ? Ah, je sais pas, moi. T'étais dans quel côté dès qu'on est arrivé ? Bah, regarde sur la map. Trouvé. Tu l'as ? Ok, bon. Attends, faut que j'aille au Forza ton live. Hein. Balèque. Ah, y'a un club de drift. Qu'est-ce que c'est nice. Que ça? On dirait une sorte de vaisseau spatial. Ça doit être une TVR, mais il va falloir la rapporter au garage pour la remonter. Allez, aide-moi. Bon, ouais, c'est bien, mais je vais... Avant, tout ça, tu savais pas, hein? Non, bah non, mais on débloque au fur et à mesure. On se retrouve plus tard au garage. Il est où le Forza Drive? Ah, il est là. Go. Attends. Forza... Mets un point. Ah, il est pas loin. Bah, je l'ai mis. Ah, mais je le vois pas, moi. Ah. Mec, on a pas beaucoup de temps, hein. Faut y aller, là. Je l'ai pas, mais tu le vois, mais tu le vois. Le Forza ton live, tu le vois sur la carte. Il est en bas à droite. En bas à droite? J'ai rien, moi, en bas à droite. Ah, donc t'as pas le Forza ton live, toi? Non. Ah bah non, faut avoir terminé une année complète. Laisse tomber. C'est normal. Donc je vais chercher les autres voitures. Vas-y. À 400 mètres, tournez à droite. J'ai peur de pas être à l'heure. Mon dieu, je suis en train de tracer comme un porc. Tournez à droite. À 400 mètres, tournez à gauche. Eh bien, ma Pagani, du coup. Pagani. Pagani Zonda. Tournez à gauche. Je l'ai vu en vrai une fois, mec. J'ai bon. Moi aussi, j'en ai vu deux. À 200 mètres, tournez à droite. Pagani Zonda PS. Tournez à une droite. Une bleue et une blanche. Et les deux sont uniques au monde. Elles appartiennent au même propriétaire. Celle que j'ai vue. Du coup, il y en a deux. Ouais, une blanche et une bleue. Ça y est, je suis arrivé. Je suis seul au Forza ton live. D'ailleurs. Faites demi-tour. Il y a un radar là. Ça va, je peux le faire. Ah, mais attends. Je peux pas participer parce que je suis dans ton convoi, bah tu m'inviteras tout à l'heure. Désolé, mais je vais faire le Forza ton live. Mais faut que je fasse mon record personnel sur le radar. Vas-y. Faites demi-tour dès que possible. Je suis à 404 km en voiture. Oh putain. Nouveau calcul de l'itinéraire. C'est tout. T'es sérieux ou quoi? C'est quoi ta vitesse max sur le jeu? Moi c'est 434. Bah non, mec, j'ai juste une Aventador modifiée quoi. Ça suffit. Bah oui. C'est avec ça que j'ai tapé mon record à 434. J'aurais une Koenigsegg 1-1 ou Agera RS, j'aurais battu. Et pour ça, il me manque un peu d'argent. Hein. Il va m'en falloir un petit peu plus.
Je vais aller faire l'épreuve de drift aussi après. Au rond-point, prenez la première sortie. Tu veux passer un rond-point à 430. Faites demi-tour dès que possible. 420. Quoi? Au rond-point, prenez la troisième sortie. Oh non, j'ai vu le Forza Tour Live et je suis de retour en automne. Nique sa mère. Bon, bah dommage. J'aurais bien participé au Forza Tour Live. Un quoi? Le colis d'Xbox, la version. Bah non. Mais bah non. Mais c'est pour ça qu'ils vont t'envoyer un truc. Au moins le jeu, tu vois. Bah déjà, pas tout de suite. Hein. Ils vont pas me l'envoyer tout de suite, d'après ce que j'ai compris. Non, justement, ils ont plus de clé d'activation, c'est pour ça qu'ils t'envoient des colis. Ça, tu penses c'est... Oui, mec. En plus, t'as dit que t'es. Je sais plus tomber, mais t'as dit que t'étais en presse, etc. Oui. Laisse tomber, je pense qu'ils vont t'envoyer un kit presse. Hein. Le jeu, etc. Peut-être pas l'ultimate, tu vois. Mais peut-être avec des 2-3 trucs dedans intéressants. Mec, le Ultimate là, ce serait le bordel. Hein. Mais mec, rien que le jeu, plus ce qu'on a vu vraiment, si c'est le kit presse comme certains streamers, déjà bien. Je comprends pas. C'est clair. Le sac à dos, le t-shirt et tout, mec. Laisse tomber, j'ai 4-5 personnes à Forza là. Laisse tomber. Prenez le virage serré à droite. Oh. Ah, faut que tu participes au Forza ton live là. Ça va pas le faire. Mais tu gagnes une voiture, non? Non, on gagne des points Forza. Vous avez atteint votre destination. C'est tellement beau. Non, je me suis planté. Oh putain, j'avais pas sur le. What, c'est trop bizarre. J'avais pas les vibrations sur la manette avant. Non, je les ai. Ouais, tu peux mettre super bien sur Forza sans forcément travers le jeu. Hein. Tu gagnes des voitures en faisant des petits trucs, mais rien que la petite. Regarde, rien que la Pagani, la Pagani, pardon. Bah regarde. Non, mais toi t'as eu de la chance, c'est différent. Non, mais regarde, même la Subaru, regarde. Tu la gagnes pas. Non, mais je. Allez. Regarde, rien que le défi. Par exemple, trouver les voitures là. Rien que ça, mec, t'as vu, t'as des belles voitures quand même. Imagine, tu fais ça bah, au début. Oui. Plutôt, ouais. Ça te permet d'économiser de l'argent. Ou peut-être t'en dépenses, mais. Beaucoup moins que si tu achètes une voiture complète, tu vois. Parce qu'en vrai, la Pagani, je l'ai payé. Ben, j'ai pas payé, j'ai payé que 64 000 crédits pour faire le up. Ah ouais. Ah oui. Ok, William. Mec, la Pagani, moi je l'avais tout le temps, hein, tous les jours. Sur Terre d'horizon. T'as un petit peu le seum, du coup. Non. Non, j'ai une Aventador aussi puissante, donc ça m'a un peu égal, mais. À 400 mètres, tournez à gauche. Mais j'aimerais bien avoir une Pagani. Je pense qu'il y a mieux, non? Enfin.
Ah bah oui, Koenigsegg Agera RS, mais ou Bugatti Chiron, quoi. Mais je veux dire, mais mec, en fait, ce que je veux dire, c'est que pas là, grand chose de mieux, ouais. Mais en gros, ça veut dire que moi, avec cette voiture, normalement, je gagne à peu près toutes les courses, en fait. Oui. Ah ouais, donc je suis vraiment chanceux, quoi. Bah ouais. En gros, parce que, ouais. Parce que j'étais à, en plus, j'étais à 220 000 crédits, et grâce à la, bah, j'avais 15 tirages. En fait, je sais pas comment je l'ai gagné. Oui, moi aussi, j'en ai eu 15. Ça se trouve, tous les levels, t'en gagnes 4 ou 5. En fait, on gagne un tirage par niveau. Et... à 400 mètres, voilà. Tournez à droite. C'est doux. Et après, suivant les... Tournez à droite. Qu'on appelle ça. Et... les courses et tout ça. Tu peux en gagner. En fait, tu augmentes ton niveau en course. Et à chaque niveau, tu gagnes des trucs, quoi. Je suis concentré, je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire. T'inquiète. J'ai mis 7.1, mec. C'est tellement... Oh, y'a un mec et une McLaren bien. Jaloux. Allez, 8 mois que ce soit fini le Forza de ton live là. Ah ouais, je trouve que des petites voitures là, ça va. Ah non, mais du coup, je crois que la voiture s'adapte à ton niveau, je crois. Oui. Mec, je les bouffe, un peu d'acclatage, je les bouffe. Des fois, je préfère. Tu vois, je suis avec une course, je cac. Tu vois, je préfère prendre un bouton. Ah, bah, le mec en face, il a une Bugatti. Oh, bah là, tu vas te faire latter là-bas. Ouais, mais elle est pas boostée, sa Bugatti Chiron, t'inquiète même pas. Non, mais je coupe des plots. Ouais, je pense que. Bah, quand même, on aime pas mal. C'est une quelle couleur? Elle a quelle couleur la Bugatti? Noir et orange. Ah, c'est une Bugatti Chiron Super Sport alors. Ah, c'est le but de la course. Passer à la manche 3, c'est parti. Voilà. J'étais qu'à 204 km. Ah oui, ça va plus là. Accélérer.
Non, mais mec, c'est hyper galère. C'est hyper galère. Pourquoi il fout un radar en plein virage, quoi? Ah, deuxième. Je fais exprès de pas rouler super vite. Du moins qu'il est dans le top 3, c'est bon. Top 3 2 du classement. Bah ça dépend, mais oui, ça va. Ça dépend les défis qui sont demandés, quoi. Et mec, c'est... Mais pourquoi? Pourquoi? Non mais clairement, enfin... Ça commence... C'est idiot possible. À quel moment tu te dis... Oh bah vas-y, on va foutre un radar en plein virage. Bah oui. Ah donc... Un radar, mec, un radar. Sans être de la vitesse, quoi. Ouais. C'est galère au possible, quoi. Mais oui, j'y tourne pas en plus celle-là. Wow. J'aime pas les... Ah mais elle tourne vraiment pas, quoi. C'est galère au possible. Et ben je vais m'amuser à faire un 0 à 100 juste avant. Petit départ arrêté, c'est parti. Ah putain. Putain, mais en fait, elle va pas prendre. Elle est trop puissante sur la neige, la mienne. Et moi, c'est pareil. Hein. La puissance, on prend compte, je veux bien, mais en fait, y'a pas de moteur. Y'a pas que ça. En S2 en plus, putain. Je le podium. Manche 3 terminé. Salut William. Pas mal la peinture. Et si tu remerciais l'artiste en lui laissant une évaluation? 30 points Forza ton gagné, ok. Ok, nickel. Ça me va alors. Là ça va montrer des nouveaux radars, non même pas. Là on va faire Club de Drift. Oh vas-y go Club de Drift. Il est 17h15 déjà. J'ai un tirage. Ah nice. Mec, t'as une grosse caisse et je te hais. M6 coupé Forza édition. Félicitations. C'est ce qu'on appelle une édition Forza. Elle a des améliorations que tu ne t'as gagné une M6 édition Forza. Oui. Je n'ose même pas imaginer non. Ce que tu vas faire avec ça sur la route. Je t'envoie Facebook si tu veux. Édition Forza.
M6 coupé Forza édition 2013. Mec, t'es vraiment un juif, quoi. Après, c'est une BM, mais quand même, quoi. Elle a toute custom à skip. Attends, j'ai attesté du coup. Allez, 3 étoiles là, terminé. HP quoi pour... Ah, c'est 61 km/h de plus. Eh, mais sauf qu'elle les fera pas en fait. N'oubliez pas que j'ai une petite Donkervoort quand même. Je veux bien le faire avec la. Je vais le faire avec l'Aventador. Ah, elle est trop belle! Alors là, par contre, on va prendre l'Aventador, mon gars. Je vais te taper un petit 430 km/h de famille. Tu vas pas comprendre. Moi non plus, d'ailleurs. C'est parti. Comment je m'en ai long, putain? Et du coup, j'ai enlevé le dos de mon. De ma coque Rhinoshit, j'ai foutu le crash guard, mais c'est ouf. Sérieux? Ça rend tellement bien. Amélioration perso. Ouais, moi j'ai un aileron. Bon à savoir, oh ici non, tu peux changer tes jantes et tes pneus. Envie de modifier l'aérodynamisme de ta voiture? C'est ici que ça se passe. Non mec, ça fait de la stabilité à ta voiture. Oui, mais c'est moche. Mais sur l'Aventador, si je veux, je peux mettre un kit Liberty Walk. Je l'ai pas fait. Par contre, allez, moi... c'est parti. Aventador. Ah, j'ai un kit carrosserie. Attends. 365, ça va pas, ça va pas. Il me manque combien? Il me manque 21 km/h, donc du coup 380. Une fois que t'as acheté les pièces pour la voiture, tu les repayes pas? Non. Ok, c'était qui? Qui est-ce? Attends deux secondes. Ah voilà. Oh, eh ben, bonsoir. Yo. Oula. Bonsoir. Comment vas-tu? À qui tu parles? C'est Mathéo Dector. À qui tu parles? À qui? Ah, bah tout le monde en fait. D'accord. Et bah personne ne répond. Bah, Scuf Gaming. Ah ouais, il est là. Quoi? J'avais demandé si Alex était là, mais il vient de parler. Ouais, là, je suis là, on tryhard Forza. On tryhard MDR. Ah bon, je tryhard mec, hein. C'est qui? Putain, on vient de te le dire, débile. C'est un juif. Oh, comme toi, Mathéo. Allez, let's go, c'est parti. Bon, t'as dit, c'est un juif, elle a tout de suite compris. Mais non, j'ai compris, c'est toi qui as compris. Ouais, tu sa mère la voiture là-bas. Ouais, ça parle trop de Forza en fait, je vais exciter. Bah, tu l'as Forza, non? Aïe. De qui? Bah, lui. Non? Non. Ah, faut que je te filme mon compte, comme ça tu l'as. Ah, non, il aime pas. Il est pas là, là. Il est parti. C'est monsieur le drift ou quoi? Oui! Oh, 391 km/h! C'est bon, c'est passé. On va voir ce qu'elle vaut sur la route quand même. 3 étoiles, mon gars. Et ouais. Bon! Alors. On va faire quoi? On va détenir la route, hein. Juste le démarre, l'accélération est trop haute, faut que je la baisse. Merci beaucoup. Ça, Benoît, il va arriver tout à l'heure. Il va sûrement nous rejoindre. Je vais dire, viens, on fait une course avec ton Audi R8. Ah ouais, mais ça. Pourquoi il est sur Audi R8? Il aime bien Audi, lui. Laisse-le. Non, mais ça a pu. Ça pue, hein. Ouais.
Hier, il fait viens, on fait la course. Et je fais t'es sûr? Il fait ouais, ouais. Je vais te la modifier. Il fait ouais, ouais. Je fais, bah, écoute, je modifie ma voiture. Tu peux, ouais. On a fait une course, j'ai tracé en 2-2, quoi. Un coup d'accélérateur. Par contre, elle est terrible. Je vais la faire à mon père il sera obligé de tester Forza comme ça. Mais faut que je mette Forza sur l'écran 4K de la maison. Je crois que c'est un... Je sais pas s'il est en 76Hz. Je fais tourner en 2K, t'es sérieux quoi? Oui mais en 4K jamais de la vie tu vas le faire tourner. Hein. Alors là, Shadow le fait tourner en 4K. Mais Shadow il a pas de 1060. Hein. Qui t'a dit que j'avais pas changé entre temps? Qui te dit que tu te laisserais pas péter avec ta 1070 Ti? C'est sûr et certain, hein. Laisse tomber, on te connaît. Hein. Allô? Ça lag un petit peu là. Elle est bien la voiture, un peu trop d'accélération. On connaît ton ego, hein, n'oublie pas. J'avoue. Écoute, j'aurais peut-être 1080 Ti peut-être. Du coup, moi je vais à 1060 après. Déjà tu veux déjà récupérer ma RAM. D'ailleurs j'ai 8Go de RAM qui dorment hein. Je peux te les vendre tu vois. Combien? On peut s'arranger hein Mathéo hein, vraiment. Je te les combien, donne. Combien vas-y enfin, bah ouais carrément. Non, pas. Non peut-être pas quand même. Non mais on peut s'arranger Mathéo. Mais combien vas-y? Je sais pas mec, je sais pas la valeur du marché. Faut que je regarde les... un peu. C'est toi. Extrêmement cher. Mais non, c'est la DDR3, t'es sérieux, c'est pas cher. Et alors, c'est le même prix que la DDR4, mon gars? Pas du tout. Alors là, merde, alors là, tu peux y aller. Mais je écoute. Elle est belle, hein. Putain, elle est trop belle. Mais trop dis pas qu'il faut payer un club de drift quand même, non? Si, je crois. Non. Et du coup, avec ton système de location, là, tu gagnes de l'argent? Oui. Et tu l'as oublié. Il y a des nouvelles missions en plus donc. Oh, il m'offre sa Nissan 240 SX. Nissan ça enfin, c'est un peu mieux que dit Nissan quand même. Il l'offre pas mais. Il nous l'a fait essayer, Joe. Oh, elle est tellement belle la BMW par contre. Tu me la montreras. Je te l'ai envoyé sur Facebook. Ah ouais mais je vais aller voir tout à l'heure. Ouais. Attends, est-ce que je peux mettre ça là? Ah non, je peux pas. Ah ouais il me bouffe là. Ah non s'il vous plaît. Oh putain. Et t'as pas gagné ça, c'était pas une édition Forza par hasard? Quoi? T'as pas gagné Zonda que t'as gagné, c'était pas une édition Forza. La Zonda je crois pas hein. Non je crois pas. Parce qu'il y en a plein à vendre sur les ventes aux enchères. Peut-être que les gens les veulent pas en fait du coup. Oui mais il est hyper cher, ils les vendent. Ouais, moi 2 100 000 je peux la vendre. Je la vendrais pas, ouais. Mec, t'es sérieux? Avec 2 100 000, ouais. J'avais pas dû prendre celle-là. Moi j'en ai acheté une à 180 000, elle coûte 1 800 000. Aux enchères. Ah, t'es devant moi, ma Dector. Et ouais, mon gars. Je vais gagner d'ailleurs. Je suis avec quoi comme voiture? Je vais te dire ça. T'es sur une Aston Martin, je crois, ou une Audi, je sais pas. Je reconnais pas les voitures. Moi. Aston Martin, j'espère. Audi. C'est peut-être aucune des deux, ça se trouve. Je sais pas comment on voit le classement. À la fin. Attends. Oh! Du coup, t'as quoi en voiture? T'as une Maserati. T'as une Maserati. Ah, c'est bien ça. J'en ai une en plus.
J'en ai vraiment une en plus. Wow. Ah, j'ai pas fait. Ah ouais, faut faire le focus et tout. Ah ouais. T'es sérieux? Eh ouais, ma man. Une wheelie spin, s'il vous plaît, je veux une wheelie spin. Ils sont trop belles les photos que non. Je prends. Non, je voulais une wheelie spin, moi, voilà. Inch'Allah, je veux une wheelie spin. Ah bah, j'en ai deux, d'accord. Bon, on va go. Go les voir. Allez, un tirage. Aïe. Oh, 170 000 crédits, bah oui. Moi, ça, moi j'aime bien. Ah, mais c'est beaucoup plus marrant quand c'est compliqué à gagner les mecs. Oh ouais. Oh ouais, une Pontiac Firebird de Transat. Ah, alors là j'apprécie. Toi aussi tu fonds dans les voitures des fois sans faire exprès ou pas? Bah non. C'est le but de Forza mec. Et alors par contre ça j'ai pas fait exprès. Putain, elle glisse trop. Vas-y, je me fais le chapitre suivant. Ah, je suis pas là. Faut qu'on passe à la porte V dimanche. Porte V. What? Elle tenait bien la route jusqu'à maintenant là. Je l'ai pas modifié. Ah, elle est beaucoup meilleure sur route. Ah ouais mec. Je crois que j'ai monté la difficulté sans faire exprès. Moi j'étais foutu en imbattable pour une mission. J'ai la refoutu en... en expert. Ah ouais, pour gagner. C'est ce qu'on faisait sur Horizon 3. Putain. Ah, j'ai perdu. C'est hyper compliqué. Ouais mec. Mais tu vas la refaire. Mais quand tu vois sur Horizon 3, t'avais un festival, ils étaient 160 000. Tu la mets en imbattable, c'est 4 fois plus, tu vois. Ah ouais. Ouais. Je vais la refaire. Je crois que la difficulté, je l'ai modifiée, c'est pas possible, mec. Je suis nul. Alors attends, hub. Ah oui, je suis déjà à 33 000, j'ai encore 5 km à faire. Sérieux là? Tourne pas mal le PC. T'es encore en live là? Ouais, ouais, ouais. Je... Putain, c'est insane. Le PC 50 degrés. Là, il tourne à 40, 44. Bon, par contre, je sais plus, à 100... Enfin, à 25%. Mais il se branle les couilles, en fait. C'est insane. Attends. La base. Il y a une appli pour récupérer ta photo. Ah ouais. Ouais. Ça s'appelle Forza Hub. Ah oui. Ça récupère tes photos directement au lieu d'aller sur le site et tout. Ah, god damn, bro. Hop, 82 000. Forza 5. Tiens, je te la mets dans le groupe. Tiens, cadeau. Mais du coup, il fout de quoi là, Nathan, Simon et tout? Je sais pas, mec.
Bah je sais pas, moi j'ai vu qu'ils étaient assis par terre. Ah ils ont mis la cape. Bah comment ça? Au lycée. Non mais ils m'ont envoyé un snap. Enfin Léa m'a envoyé un snap. C'était Léa derrière? Oui. Okay. Alors comment on fait? Alors apparemment ce trésor de grange était une TVR speed 12. Allez bam, terminé, 130 000. Je viens de gagner une TVR. Oui moi aussi. Oui. Alors du coup j'ai encore le tirage ou quoi? Oh j'ai encore le tirage. A chaque fois je vais faire le tirage mec. Bah les tirages faut les faire en fait. C'est le principe. Là je vais passer normalement le level 32. C'est une mauvaise idée de mettre des klaxons fantasy dans les lots du tirage. J'ai passé au level 32 normalement. Tu peux monter si tu veux. Ah non pas encore. Alors du coup... Je te remets la photo de la voiture, je... Mister. Alors du coup, toi la difficulté, elle a quoi, toi? Moi, j'ai mis imbattable. Ouais, t'en pars rarement. Attends. Alex Molik. Il a réussi à monter. Attends. La photo, elle est d'aujourd'hui ou d'hier? Elle a l'air d'aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il a réussi à monter sur le stand Ferrari. Je devrais y arriver aussi. On verra bien. Ah bah t'as, c'est déjà. Plus 60%. Ouais mais comme tu gagnes jamais, bah tu gagnes le code quoi. T'as dit quoi? Comme tu gagnes pas, et bah tu gagnes rien. Ah faut être dans le podium quoi, c'est ça. Ouais mais c'est impossible mec. Ils sont beaucoup trop forts. Ah ouais. J'ai enlevé l'ABS. Tu l'as enlevé toi ou pas? Non. Je crois que c'est mieux sans, je crois. Bah sans ta voiture, quand tu freines, elle va piler, elle va faire des tout droits quoi. C'est le principe de l'ABS quoi. Je sais. Mais merde. Faut que je la teste dans une course. Attends, faut que j'atteste dans une course. Ok William, j'ai programmé l'itinéraire vers une nouvelle épreuve du championnat de course sur Terre d'Horizon. Non, ça va encore. J'ai juste enlevé l'ABS. Donc ça fait 60% de chrono en plus, je crois. 35. Les gravatas, ils étaient en intermédiaire, je crois. Bah, les gravatas, ils sont imbattables, justement. Au rond-point, prenez la première sortie. Ah, dégage avec ta Mazda Speed, toi. Mmh.
400 mètres, tournez à droite. Sur tournez Horizon 3, je crois que j'avais enlevé la baie, justement. Hier, j'ai failli avoir une Zenvo ST1. Sérieux? Oui. Moi c'est tout à l'heure, je l'ai passé à deux doigts. Non mais genre acheter quoi. Ah ok. Aux enchères. Pour 100 000 crédits. Mais y a un mec qui l'a surenchéri au dernier moment. Aux enchères ça peut être moins cher mais ça peut venir beaucoup plus cher. On peut avoir le seum quoi. Ouais. Parce que la bagnole tu la veux mais au final tu l'as pas parce que le mec il a été plus rapide que toi quoi. Et que si je te l'achète content, c'est beaucoup plus cher. Hein? Et si je te l'achète content, c'est beaucoup plus cher. Ouais. À 200 mètres, vous arriverez à destination. Vous avez atteint votre destination. Allez, passe en level. Déglingue. Je vais mettre peut-être le skin de Scuff dessus. Il y a un skin Scuff. Ah, oh, j'ai bientôt un nouveau spin. Oh, 200 000, oh oui, nice. Merci Jean-Michel. Je suis à 600 000. C'est ça que c'est bon. Oh oui. Aïe. Course de sur route. Que je pense des fois à tomber vraiment. C'est grave bien fait. Oh, j'avais plus ma musique là, par exemple. C'est grave trop bien fait. Mais merde. Ok. Putain. Ah, j'ai vraiment farmé le championnat sur route. Hein. Je suis niveau 10 sur le championnat sur route, s'il te plaît. Waouh. Putain. Alors... En fait la mienne il y a vraiment la, la M6 coupée là, édition Forza là 2013, elle est vraiment que pour la, la route et vraiment pas pour le tout terrain. Parce que là je suis obligé de faire un espèce de cross, je sais pas quoi, mais t'es obligé d'avoir des voitures, pas, bah du coup pas des, des trucs. Ah oui cross, le cross coup. Ouais voilà, et du coup elle est vraiment pas faite pour ça en fait. Vas-y, faut que je fasse une course de drague. Mec, une seule, ça c'est chiant. Sur route, je dis pas. Pourquoi ils nous remettent pas des courses de piste de drag là? Je vais me la refaire quand même parce que, enfin, elle est. Elle putain! Est... J'aime pas perdre, je suis passé du 4 à 9. Hop, je vais faire X. Je vais sauter le X. On va recommencer. Allez go. Ah ouais, en plus après tu peux plus la recommencer je crois. En vrai ma Lamborghini, mais mec elle fait tout, elle est multifonction quoi. Elle fait bagnole de drift, bagnole de drag, bagnole de course. Un bon enfant.
Ah oh, là t'as une Audi. Je crois. C'est nul. Oh il y a une Zenvo ST1 à côté de moi. Zenvo ST1 McLaren Senna. Je vais le défoncer. Allez, wheel spin mon gars, et oui Michel. Tirage déverrouillé. Oui, j'ai de nouvelles courses de drag. Yes. Nice. Ça c'est cool ça. Du coup j'ai débloqué un tirage non. Oh oui, une Ford GT de 2005. Ça c'est bien ça. Ah, c'est ça que c'est bon. Une Ford GT de 2005. Ah oui, ça c'est appréciable. C'est mieux que le DRS2 quoi. Voilà, bon, j'ai pas boosté à fin. J'ai pas boosté à la fin, mais au moins j'ai la deuxième place. J'ai pas fait de la merde. Je suis pas parti dans le décor. Parce que j'ai tendance à être deux troisième et à bouffer, à vouloir mettre être premier. Et à chaque fois, je fais une erreur, je vais dans le décor. C'est pas cool. Du coup, voilà, voilà. Mais là, bah ouais, hop, je préfère. J'ai 12 km de route à faire. Pour faire du drag. Du coup, je suis content, je commence à retrouver un peu d'argent là. Je vais pouvoir m'acheter une McLaren P1 ou une Bugatti Chiron un jour. Objectif semaine prochaine, la Chiron dans mon garage. Vas-y. Ça se tente. Même largement. J'ai déjà été à 1 500 000 sans forcer donc. 2 400 000 ça devrait aller. Hein. Et puis je vais l'acheter certainement aux enchères donc. Vu tes résultats jusque là. J'ai hâte de te voir à l'œuvre là-bas. Vu comment c'est quand même beaucoup moins cher. Pour certaines voitures. À 2 200 000, je devrais pouvoir l'avoir. Quoi. Nouvelle voiture dans votre garage. Certainement, ouais. Bah oui, la TVR. Non, c'est autre chose, je l'avais déjà eu. Attends. La map elle est quand même très grande hein, en fait. Bah oui, je l'avais dit. Parce que là j'ai la flemme de les faire les 10 km qui me restent. Mon dieu. Je fais plus des championnats sur de courses sur terre que de route ou quoi. Bah, j'aime pas les courses sur terre moi. Oh là là. Oh j'ai un tirage encore. Allez porte-moi chance. Non moi je dis tu vas avoir un bonnet. Je suis passé à deux doigts de 180 000 crédits et j'ai eu un klaxon. Ouais ça va c'est marrant ça. Je sais même pas comment on les met. J'en ai plein aussi des klaxons bizarres, mais j'ai des emotes bizarres aussi. J'ai une Force RS 200. Ah, moi aussi.
Et ça, c'est bien. Ça. Allez, j'ai une Preza 22B STI. Certainement, ouais. J'ai la 2005 et la 2098. Ok. Comment tu fais pour voir combien vaut ton garage? C'est dans le chargement du jeu au début, ils peuvent te le marquer en bas. Ah, ok. Moi j'étais à 7 500 000, je crois. Là je dois être un peu plus parce que j'ai gagné quelques voitures. km/h. J'ai calculé l'itinéraire. Est-ce que je... Ah, je suis qu'à 2 étoiles. 42 km de plus. À 200 mètres, tournez à gauche. Ah, je vais venir voir. Tournez à gauche. Ah, oh, je veux une Bugatti Chiron, quoi. Mais vraiment. Le top, ce serait que je l'ai avant dimanche. Et je fais la config exactement la même que celle qu'il y a au mondial. À 400 mètres, tournez ça à pourrait gauche. Être drôle. Mais 100%, tu sais. Oui. Tournez à gauche. 100%, il y en a qui vont le faire. Hein. Cherche pas. Bah, elle est pas compliquée, elle est blanche avec des jantes couleur bleue foncé. Avec des liserés bleu foncé et tout. Elle est sympa. Et attends, je vais atteindre la destination. Mais elle est où la destination? J'ai plein de courses à faire en vrai. Je pourrais m'enrichir de fou, mais j'ai la flemme. Ah, je savais pas qu'il y avait une piste de drague ici. Waouh, elle est balèze. Hein. Bah solo, horizon présente, on prend l'Aventador histoire de faire mal à tout le monde là. Ferrari, la Ferrari, Koenigsegg Agera RS. À ce qui paraît, il y a une rumeur qui dit qu'il y aura un iPad Pro qui arriverait. Donc une nouvelle keynote. Ah. Mais il existe déjà l'iPad Pro. Non, une nouvelle version. Peut-être. Ouh, ouh, bah ça va être chaud pour la gagner celle-là. Ah, c'est bon. Tranquille. Ouh. Oh, j'ai gagné haut la main. Centenario 2ème et 918 3ème. Elle doit être boostée la 918. Hein. Je vais me le refaire. Je vais le refaire, c'est obligatoire. Attends, il se fait quelle heure? Il se fait 6 heures là. Là, je vais refaire cette course.
Oh là, la Ferrari à côté de moi, mais mec. Oh, oh là là. Oh. La Ferrari 918. Oh putain. ...355 km/h. Ah, il y avait une Chiron. La Chiron a fini 5. Bizarre. Très très bizarre. De course de drague. Oh, je débloque bientôt une grosse caisse. Une très très grosse caisse. Ça va être quoi? Je crois c'est une Lotus Elise GT1. J'en ai déjà une. Et ça coûte 1 800 000. Est-ce que t'en as deux, autant en vendre une? Ouais, c'est ce que je vais faire. J'ai débloqué une autre course de drague, donc je vais y aller là. Faudrait que je fasse pareil pour les courses sur circuit là, de route. Histoire que je puisse débloquer à nouveau et regagner des courses. Putain! C'est des courses que je kiffe, donc faudrait bien que je refasse une. Avec l'Aventador, ça, c'est compliqué. Faut que je m'achète une McLaren 650S. Ou 720S. 720S, ouais. Un jour. Mec, sur le sable, ça va être galère. Avec un Maserati GTS, t'as fini dernier, Matteo. Bah ouais, c'est normal. Non, dans ma course. Ah mais c'est normal. Pourquoi? Mec, une Maserati, je sais pas ce que c'était comme Maserati, mais GTS. Ouais, ça date pas mal. Faire une course de drague sur le sable, c'est pas forcément une excellente idée. Ça tremble dans tous les sens. J'ai gagné une Lamborghini Huracan. Ouais, je l'ai gagné aussi, ouais. Tu es qualifié pour la quatrième manche. Elle est pas mal du tout. De nouvelles épreuves de course sur route ont été ajoutées à ton emploi du temps. La concurrence devient rude. Bonne chance. Et c'est un V10 Audi, donc c'est un peu nul, quoi. J'ai gagné ma Lotus Elise GT1. Ah non, c'est... Oh, c'est encore mieux. C'est une Ultima. Ultima GT1. Oh my god. Oh la vache. Ah ouais, non mais là c'est... Oh, j'ai pas de tirage. Mais là c'est 45 levels au-dessus, quoi. Oh, y'a un Forza Tom Live. Non, la flemme. J'irai plus tard.
Une nouvelle voiture a été récupérée, merci. Oh, le flemme. Je l'avais bien de la 812, mais ça va être chiant. Tu peux discuter avec tout le monde à Horizon. Quoi ? Tu pensais que l'univers était rempli de personnes égoïstes et renfermées ? Pas le nôtre. Tu peux modifier ce que tu veux dire ici. Le moment où je vais me faire arrêter par un arbre. T'as pas découvert beaucoup de routes, hein ? Qui ? Toi. Si. T'en as découvert que 184. Je suis à 322. Je pense dans les barrières exprès pour donner des points là, tu sais, les trucs jaunes là. Oui. Je fais exprès de faire des carambolages, des drips et tout. Ah oui. Oui, j'ai win. Yes. Maintenant, détecteur terminé. J'ai gagné 6000 en faisant une course de drague. Ah ouais, quand même. Ouais, j'ai passé un nouveau level. Qu'est-ce que j'ai gagné à la Holy Spin? Waouh, un klaxon. Bah non. C'est un peu carrément naze quoi. N'est pas mon quasiment noir. Je suis plus intimidate. J'ai 600 dès que possible. Il faudrait peut-être un petit peu plus que ça quand même. Parce que 600 000 c'est pas élevé. Tu ferais 600 000 là ? Oui. Ça c'était quoi en voiture ?
Ah, j'ai rien acheté là actuellement. Prenez le virage serré à droite. J'étais à 250 000 tout à l'heure. Prenez et là, je suis à 600 000. À droite. Il faudrait que j'ai un peu à plus. À 400 mètres, vous arriverez à destination. J'ai combien de bagnoles? J'en ai 41. Bon, je m'arrête, je vais. Je me pose là avec mon Aventador. Je vais aux toilettes et je vais manger un truc. Aïe 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 aïe, c'est trop dans ma faire. Les gens sur le site d'Horizon racontent des choses bizarres sur des voitures abandonnées. Et je sais qu'il faut se méfier d'Internet. Mais il y en a une qu'il faut absolument aller voir. À 100 mètres, prenez le virage serré à gauche. À 400 mètres, tournez à droite. Tournez à droite.
avez atteint votre destination. T'es là? Ouais. Puis là j'ai pas été mangé, j'avais la flemme. Puis y'a une soeur qui va bientôt arriver en plus. J'aime pas la couleur de Time 6. Elle est pas belle. Moi je vais mettre le skin de Scarf après. Oh la vache. Pfff. Ok. Tu l'as trouvé? Super. C'était pas des mythos. J'arrive tout de suite. Je t'ai trompé. Oui. J'hallucine. Faudrait que j'aille faire une course de championnat sur route. En fait, elle aurait appartenu à... Genre vraiment. Dans la porte là, c'est des impacts de balles. Oui, bon, ça me permettrait de... Pour l'instant, on la ramène au garage. De gagner de la thune. Mais bien comme il faut. Y a plus... Comment ça? Ça me débloquerait mes courses. Oh non! Te retourne pas! Encore en live là? Ouais, pourquoi? Mais j'ai raté, je pense. Et y'a du monde à moi? Je sais pas, mec. Ah, attends, je dois t'envoyer un truc. Mais tu te tais. Ok. Tiens. Quoi? What the...
C'est quoi? Bah ton avis. Bah je vois qui c'est, mais... Et pourquoi? Discord? Ouais. Sur quel Discord? Un Discord. Ok. Ouais. Oh, laisse tomber. Bon. Moi, j'ai arrêté là, moi, je pense. Lucas, fermez la grange et... Voilà, je te rappelle bientôt. Vas-y, on fait une course solo. Par contre, je pense que je vais pas m'être imbattable, hein. Je suis pas suicidaire non plus, quoi. Je vais m'être très doué à la rigueur. Bûcheron. Vraiment des défis avec ça? Tu dois taper des arbres. Expert, ouais. Ouais, bah ouais. Ah bah voilà, ma commande a été traitée. Commande 2. Les nouveaux trucs. Ah oui, ça va. Bah ouais, Ken26, j'ai les notifs et tout, c'est trop bien cette bande, laisse tomber. Mais là, je pense que je vais faire un article, mon avis sur N26. Oh non! Par contre, tu vois pas très bien les traces de pas de. Les traces de roues sur la neige. De pneus. Désolé, là je suis over-concentré. Je fais des courses en expert là. Je suis actuellement premier. Tours, ça va être chaud. Faut garder un bon rythme là. Derrière moi, il y a un juif qui veut me doubler. Je suis en live. C'est pas grave. Moi, ils me connaîtront. Ça sent que ça pâtit. Non, mais vas-y, me rentre dedans, cet abruti là. Ah, j'ai peur, il y a le centenario derrière là. Enfin, envoler mon Aventador.
Oui, j'ai gagné. J'espère toutes les... Non, je vais pas débloquer de nouvelles courses. Oh, oui. Attends. Allez, petite course de rue du seigneur. T'as gagné? Oui, j'ai gagné ma course. Mais là, j'en refais une. Oh, il y a une McLaren 700S. Oh, la TTS boostée, mais c'est un char d'assaut, quoi. Oh, il y a une Vulcan. Le Laté 70 Mark 3. Mark 2, pardon. Wesh, sérieux. Oh. J'aime pas les courses de rue, c'est horrible. C'est pour avoir au possible. Ah, la conduite, sérieux quoi. Elle est horrible. Tout se pète là. Mon dieu, c'est carrément pourri quoi. Oh, c'est aucun intérêt. Ah,
bien? Non, non, c'est bien que tu te sois craché dans ce truc. C'était un panneau bonus. Guerra en a fait installer un peu partout. Celui-là te rapporte un boost d'influence. Hé, hey, je suis au garage. Ta mystérieuse Audi Quattro Sport est prête. C'est la course du seigneur. Alors, voiture. Oh, la course du seigneur qui est compliquée au possible. Ouais. Heureusement qu'on peut récupérer des voitures sans que ça soit payant pour se faire livrer. Ça serait nul sinon. Là je te mets une nouvelle voiture là. Sénateur, quoi. Quoi? Elle était une double tranquille sans pression. Faites demi-tour dès que possible. Ok. Et moi j'en chie pour essayer de garder la bagnole en place, quoi. Normal. Tournez à gauche. Tournez à gauche. Ok, il y a un panneau là-bas, je peux pas le casser. Faites demi-tour dès que possible. Eh ben, j'ai fait une course pour avant. De l'itinéraire. Salut William. Félicitations, tu as décroché ta qualification pour le printemps. Retrouve-moi au festival. Ah, j'ai fait le printemps. Je suis qualifié pour le printemps. Faites demi-tour dès que possible. Qu'est-ce qu'ils vont faire voir?
Ah, le cheval blanc d'Huffington. Ce truc est incroyable. C'est le premier relevé de puissance préhistorique. Un cheval. Ok. De quoi? Je sais pas, je vais faire un truc. Je vais découvrir un site préhistorique. Nouveau calcul de l'itinéraire. À 100 mètres, tournez à gauche. Hop. Faut casser des panneaux si je sache, j'ai jamais compris. Je ne suis pas loin de t'ajouter à la sélection Horizon, mais j'ai encore un petit doute. Une chance pour toi, on organise un gros rassemblement printanier et je cherche un pilote à la hauteur pour y participer. Impressionne-moi et je verrai ce que je peux faire pour toi. Ok, mademoiselle. Chérie. Putain. Quoi? Course sur Terre en Lamborghini Aventador. Bah ouais. Bugatti Veyron et tout sur le... C'est une course sur Terre, quoi. What the fuck. Non mais what the fuck. Quoi? Mais une course sur Terre en Lamborghini Aventador. What the fuck. Non mais clairement là, c'est trop là. Non là 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 là. Là c'est vraiment trop là. Wouah, il trace avec la Veyron devant. Ellie. Il patine pas lui. À 400 mètres, il a pas le temps de niaiser lui. Tournez à gauche. Thank you.
Lui niaise pas, lui. Vous avez atteint votre destination. Il est pas là en train de niaiser. Je suis en 90 FPS en full. Ah, il est pas là pour la niaise. Hein. Je m'éclate avec cette voiture vraiment. À laquelle ? La FS200 de chez Ford. Oui, je vois. Je connais. Et hop là. Aïe. Non. Mais là c'est beaucoup trop pour moi là. Voilà là. On a un level de lourdeur mon gars mais... Putain... Infini quoi. Oh oui. J'ai foutu la Véronota. Oh. Oh. Non là par contre non. On en a vraiment pas là. Oh, je viens de commettre un truc dégueulasse là. Eh ben dis donc. Et bam, premier mon gars. Il y a plus de vrais festivals. C'est-à-dire. Avant, t'avais des grosses, t'avais des festivals partout sur la map. Ah là, il y en a qu'un. Ouais, ils ont changé de mode en fait. Level 34. Oh, il y a beaucoup de voitures. Non, mais pas un klaxon. Totalement d'accord avec la chose, tu vois. J'aimerais bien obtenir de véritables voitures.
va se TP ici. Genre, je peux pas. Je sais pas si que je. Ah, la téléportation, c'est de moins en moins cher. Modifier l'intérieur. Enfin l'extérieur de la meilleure façon. T'as combien de routes de... découvertes? Je suis à 300 et quelques. Ok. Pourquoi? Je suis à 210, je crois. Ok. Je me lasse vite. Des non, couleurs je crois que je m'arrête. Je sais pas quelle couleur. Que ce soit. Réplique. Ça, je découvre des nouvelles choses là. C'est quoi? Ah, c'est un projecteur, ça. Tellement mec, laisse tomber. Je découvre les... Les Xbox peuvent jouer avec les PC ou pas? Oui. Enfin, surtout sur Forza, quoi. Sur Forza, oui. J'ai peut-être un pote qui va l'acheter. Des classes.
Ah, je me casse. Je peux casser la maison. Ah bah non. Bon. C'est pas un saut ça. De la merde là. J'ai tout le temps tendance à regarder le deuxième écran. Rejoins quoi? Ouais. Ça change le printemps. Je découvre les routes en fait. T'es où là? Je sais pas. J'ai pas regardé depuis tout à l'heure. Ok, donc tu dois être grave loin. Mec, je te vois pas où te faire. Je ne te vois absolument pas. T'es là, ok. Tu fais quoi là? Bah, je suis un peu d'être, t'inquiète, je découvre les rochers. Vas-y, moi je retourne. Je vais là où t'as mis le point. Vas-y, vas-y. Je vais mettre un peu de temps, je suis avec une vieille Aston Martin. Dis-moi quand t'es au point. Faites demi-tour dès que possible. Possible.
faites demi-tour dès que possible. Nouveau calcul de l'itinéraire. À 100 mètres, tournez à droite. Faites demi-tour dès que possible. À 200 mètres, prenez le virage serré à droite. Prenez le virage serré à droite. Ah, changer de voiture, j'ai essayé ma... Oui. Pouf. Faites demi-tour dès que possible. J'arrive dans 2 km. Okay. Faites demi-tour dès que possible. Nouveau calcul de l'itinéraire. Faites demi-tour dès que possible. J'y suis. J'arrive. À 400 mètres, tournez à gauche. Calcul de l'itinéraire. Attends. Voilà, j'arrive.
Toi, j'ai pris des modes photo. Aïe. T'es parti ? Mathéo ? Faites demi-tour dès que possible. Je t'entends pas, Mathéo. Ouais.